Donc bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'univers de Léna. J'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo dégustation de raclette numéro 2. Je vous montre les pommes de terre, la charcuterie, les fromages en train de fondre. Donc j'ai là, j'ai toute une assiette de charcuterie. J'ai encore demain midi pour finir le reste de la raclette. Et du coup demain je ferai pas de vidéo dégustation, mais je ferai un live où je mangerai la raclette en live. J'ai mon assiette de pommes de terre et j'ai mon tupperware avec les fromages à raclette. Voilà. Donc c'est parti, on va faire fondre le fromage. Je prends en photo pour faire une miniature. Et voilà. Ça m'a brûlé, c'est chaud. Puis j'ai eu le malheur de toucher la barrière raclette et je me suis brûlée, mais il n'y a rien de grave. Mais je me suis brûlée le doigt. Et là, je viens de me brûler la langue. Donc c'est parfait. C'est trop bon la raclette. Je vous jure. Oui, je prends du ketchup avec la raclette et j'ai le droit, chacun ses goûts. Critiquez pas parce que je mets du ketchup. Moi, j'adore mettre du ketchup avec la raclette, chacun ses goûts. Et ça, c'est du fromage classique avec de la croûte. Fromage classique. J'en mange 5. Comme ça, il m'en restera 5 pour demain. Donc là, il y en a... Là, il y en a 6. Là, je suis en train d'en manger 2. J'en ai remis 2. J'en mange un autre. Et ça fera 5 pour demain.
J'en mange 5 aujourd'hui, ça fera 5 pour demain. Donc j'en aurai mangé 10. La fin, voilà. Ce sera la fin. Oui, je gratte avec mes couverts parce que on a perdu les petites raclettes en bois pour racler les poêlons. Ça, ce sont des poêlons. Et on a perdu les petites raclettes. Du coup, je racle avec mes couverts sans rayer. On va éviter de rayer. Je vais remettre des fromages. Je remets juste un seul fromage. Comme ça, ça fait 5. Et il m'en restera 5 pour demain aussi. Voilà, là j'arrête pour les fromages. J'en ai mis un dernier, ça suffit. Et ça fait grossir en plus. En même temps, je regarde la télé, j'ai mis un jeu télévisé. Tout le monde veut prendre sa place sur la 2. Thank you.
Voilà, j'arrête les fromages. C'est fini. J'arrête les fromages. C'est suffisant comme ça. Ça suffit comme ça. Si Vartan et Johnny Hallyday. Désolée, ma mère, elle a appelé sur le fixe pour me dire des trucs personnels. Donc voilà. Je mange un dernier morceau de charcuterie. Ça, je crois que c'est de la... Ah non, c'est pas de la... Ça, ça doit être du copa. Non. Ça, c'est du salami. Ça, c'est de la rosette. Et ça, c'est du copa ou je sais plus. Je m'en rappelle plus des noms. De la charcuterie. Je donne de la charcuterie à mon chat. C'est peut-être pas terrible, mais voilà. On va pas t'étouffer, hein. Bon, bref. Sur ce, je vais vous laisser. C'était une minute dégustation, 15 minutes. J'ai encore tout ça de charcuterie. Demain, j'aurais pas fini, hein. Après, j'ai encore 4 pommes de terre. 5 fromages et 2 tranches de jambon. Voilà. Après, il ne restera plus qu'à faire la vaisselle. Nettoyer les petits poêlons. La machine, je vais la débrancher et je vais la laisser sur la table. Vu que je m'en resserre demain, c'est pas la peine de la ranger dans le carton. Dernier morceau, pommes de terre et fromage. Je ne sais pas. J'écoute le jeu, désolé. Chez les goûts. Hashtag chez les goûts. Ah oui. Bon. C'est pas grave. Oui, du coup, voilà, désolé, j'étais concentrée. Parce que ça parlait de Astérix et Obélix et je suis une grande fan. Obligée d'écouter ce qu'il demandait comme question. Et la réponse. Voilà, du coup, j'ai terminé cette petite dégustation. Là, après, je vais manger un petit esquimau, une petite glace pour faire passer. Mais c'est pas la peine que je vous montre parce que, enfin, je vais manger ma glace devant la télé. Je vais me reposer tranquillement. Je vais couper cette vidéo.
Et du coup, demain, je ferai un live en dégustant la raclette. Normalement, si je suis en forme, là, après cette vidéo, je refais pas de live. Parce que je suis fatiguée et j'ai mal à la tête. Donc je referai pas de live aujourd'hui. Mais demain, oui, j'en referai. Je referai des lives. Un live. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bon après-midi, bonne nuit, bonne école. Bon après-midi, bonne matinée, bonne journée, bon appétit, bonne soirée, bonne nuit. Tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous aimez la raclette et si vous en mangez en ce moment ou si vous en avez mangé hier comme moi. Qu'est-ce que vous aimez dans la raclette? Qu'est-ce que vous prenez comme fromage? Quel parfum? Parce qu'il y a plusieurs fromages classiques, poivre, à l'ail. Et je sais plus à quel goût. Et quelle charcuterie vous prenez? Ça m'intéresse de savoir. Vos goûts, après les pommes de terre, on prend les pommes de terre qu'on veut. Que ce soit une marque ou une autre, c'est pareil. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous prenez comme fromage ou comme charcuterie. Comme ça, pour connaître vos goûts. Donc, merci pour les 27K d'abonnés. Je viens de voir que j'ai eu 27K. Un peu plus, on arrive aux 100K. Non, je rigole. Là, je suis en train de rêver. Les 100K, je vais les avoir dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Non. Ah, peut-être 40 ans. J'aurai 30 ans dans 10 ans. Donc peut-être qu'à 30 ans, j'aurai les 100K et un trophée YouTube. J'espère. Je prie tous les soirs pour avoir les 100K et un trophée. C'est vrai en plus. Voilà. Bon bref, c'est pas ça le sujet. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. À activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je ferai. Les shorts, les lives et les posts dans vos notifications. Donc recevoir tout ce que je fais dans vos notifications. Commenter la vidéo. Liker si vous l'aimez bien. La partager. Partager ma chaîne et mes vidéos sur vos réseaux sociaux si vous en avez ou à vos amis. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime. Merci pour tout. À bientôt. Gros bisous. Salut, bye bye.